Vous connaissez la presse comme moi. Si elle me met sur ses couvertures, c'est que ça doit faire vendre. Le jour où je ne ferai plus vendre Jean-Jacques Bourdin, on ne me mettra plus sur les unes. Je ne suis dupe de rien. Donc je suis autre chose que du papier glacé. J'ai existé avant et j'existerai après. Comme Juppé, Emmanuel Macron est partout, en une des magazines, décliné sous tous les angles. Macron au travail, Macron chez les pauvres, Macron à la plage, Macron en couple. Pour les médias, Macron, c'est donc le Juppé de gauche. Enfin, ni de droite ni de gauche d'après ses mots, mais à la télé, on va quand même le mettre à gauche, parce que c'est ce qui convient le mieux, surtout maintenant que Fillon incarne la droite. Macron, pour les médias qui ont vu disparaître leur poulain Alain, c'est maintenant le nouvel espoir. La gauche n'a aucune chance, la gauche classique, n'a aucune chance d'être au second tour. Aucune. Et de loin. Donc j'invite plutôt les progressistes de gauche, comme ceux du centre ou de la droite, à me rejoindre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas au second tour un simple choix entre le Front National et une droite conservatrice. Selon les médias, Macron est désormais le parfait candidat de la gauche. Étant donné que, visiblement, on ne peut plus trop compter sur le PS pour les élections à venir et que les autres ne comptent de toute façon pas. C'est même sur ce point précis qu'il se présente comme un révolutionnaire. Pour lui, il n'y a plus de gauche ni de droite. Il y a les conservateurs et les progressistes. Il nous ressort le mot à peu près tout le temps quand il le peut. Est-ce que je crois à cette recomposition politique dans un clivage nouveau entre progressistes et conservateurs ? Son progressisme, il aime le montrer sur les sujets sociétaux. Sur la laïcité, par exemple. Il est bien plus ouvert qu'un Valls. Qu'on exclue des gamins du système scolaire parce qu'ils veulent pas manger de jambon à la cantine, ça lui va pas. Que la laïcité serve à taper sur les musulmans, non plus. Et même les migrants, leur traitement par le gouvernement actuel, l'indigne. D'ailleurs, on a là un ministre qui a sérieusement envisagé, dit-il, de quitter le gouvernement avec la déchéance de nationalité. Faut croire que c'est aussi pour ça que les médias l'aiment bien. Finalement, il colle bien aux idées de toute cette sphère progressiste d'un point de vue social, mais tout à fait favorable au néolibéralisme économique. Ce que les plus trolls d'entre vous appelleraient facilement la gauche caviar. Parce que Macron, finalement, c'est la droite sans le racisme, l'homophobie et tous ces sujets sociétaux qui font débat dans les grands médias. Mais il reste tout le côté économique, celui dont on parle moins à la télé parce qu'on n'y pige pas grand-chose et que ça vend moins. Macron incarne, dans l'image, le nouveau souffle. Avec lui, la révolution, économique, hein, faut pas déconner, serait en marche. C'est pas pour rien qu'il a pris ce nom pour son mouvement En Marche. Avec Macron, le changement, c'est maintenant. Oui, il a été dans un gouvernement du Parti Socialiste, mais il le dit haut et fort, lui, il ne l'est pas. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. C'est là tout le truc épineux pour lui. Il veut tout révolutionner, incarner le renouveau, mais d'un autre côté, il a quand même été au gouvernement sous Hollande. Et pas dans un obscur secrétariat d'État aux anciens combattants. Non, il a été à l'économie pendant 2 ans. Et il nous explique maintenant, là, la bouche en cœur, qu'il va tout changer, alors qu'il était déjà au pouvoir. Bon, c'est vrai que c'est pas le premier à faire ça, à vrai dire. Parce que Macron, il a quand même fait une des plus grosses lois du quinquennat Hollande. La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Celle-là, elle contient trop de trucs pour tout détailler. C'est un paquet surprise pré-El Khomri, passé grâce à l'aide du 49-3, avec travail le dimanche, déréglementation de certaines professions, etc. Pour résumer l'idée, parlons de ces fameux car Macron. L'idée, c'est que les TER, c'est l'État, c'est cher et pas rentable. Emmanuel, il a donc une idée révolutionnaire. On ouvre les grandes lignes de car à la concurrence, chacune fait sa cuisine, pratique les prix les plus compétitifs, et que le meilleur gagne. Sur le coup, c'est cool, ça fait des cars pas chers et vous en avez peut-être vous-même bien profité. Mais faut pas croire, votre voyage a pris imbattable, il n'est pas rentable. Les premières années, les entreprises fonctionnent à perte pour éliminer la concurrence. Et ça marche, les TER disparaissent et les compagnies les plus faibles mettent la clé sous la porte. Macron parle d'accident, mais en réalité, c'est comme ça que le capitalisme fonctionne depuis toujours. Parce qu'ensuite, les compagnies qui survivront remonteront les prix. Et ce que Macron ne dit pas, c'est qu'au final, le pauvre, il ne pourra à nouveau plus prendre le car, ni le train, vu qu'il n'y en aura plus. Pas sûr donc que les pauvres puissent voyager longtemps, mais hey, peut-être suffisamment pour lui permettre d'atteindre l'élection. Si Macron pose les problèmes différemment, sous un angle plus compatissant et progressiste, il propose donc des solutions économiques qui ne sont pas bien différentes de celles de Fillon, Hollande, Sarkozy et les autres. À aucun moment, par exemple, il ne serait question de mieux financer les transports via l'État pour les rendre gratuits ou plus égalitaires. Mais ça, ce n'est pas l'ambition de Macron. Macron, lui, s'il croit dur comme fer au libéralisme économique, c'est qu'il croit au mérite. Ah, le mérite, c'est la vieille chanson du capitalisme.
celle qui faisait croire à plein de gens qu'il suffisait d'émigrer aux États-Unis pour devenir milliardaire, alors qu'en fait, ils iraient crever dans un taudis pour un taf de merde. Celle qui dit que quand on veut, on peut. Et pour Macron, le mérite en 2016, il passe par Uber. Pour Macron, les jeunes de cité, il faut les aider à remonter socialement. C'est pour ça qu'il est allé à Bobigny pour annoncer sa campagne. Et pour lui, Uber leur permet ça, en leur donnant du boulot que l'économie classique leur file plus. Ce qu'il veut, maintenant, c'est aller plus loin, leur donner des possibilités d'avancement. Dans l'idéal, le gars qui commence chez Uber comme chauffeur, bah, émancipé par son travail, il va monter, et qui sait, un jour, fonder son propre Uber et porter lui aussi un costard. Parce que pour Macron... La meilleure façon de payer un costard, c'est de travailler. Alors c'est vrai que ce système fonctionne pour certains. Pour ceux qui y arrivent, qui crèvent pas les 6 premiers mois. Parce que pour que certains arrivent en haut, il faut que la plupart restent en bas. C'est le gros défaut du système Macron. Faut vendre du rêve, mais sans rappeler que ce rêve, c'est le cauchemar de pas mal d'autres. Faut dire que le mérite, notre Manu, il ne le connaît qu'à moitié. Même s'il se dit de classe moyenne, il est quand même fils de médecin et prof de neurochirurgie. Il est passé par un lycée privé, une prépa, l'ENA, bref, de la méritocratie de riche. Et après ça, il a été haut fonctionnaire et banquier chez Goldman Sachs, et il en est fier. Et ça, finalement, c'est une grosse partie du problème. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... J'allais... pas de manipulation de l'opinion, mais de... un petit peu. Macron, il parle beaucoup de mérite par le travail, d'émancipation, des bienfaits de l'emploi. Mais en fait, le travail du bas de l'échelle, il connaît pas. C'est pour ça que ses rencontres avec les travailleurs se passent mal en général. C'est aussi pour ça que même s'il est allé à Bobigny ouvrir sa campagne pour s'adresser aux travailleurs précarisés, aux jeunes chômeurs, il ne les a pas laissés entrer. Les apprentis ne sont pas conviés dans la salle. Seuls les journalistes, donc, et quelques voitures en réparation. On n'entend pas grand-chose. Mais le symbole était beau, et il faut croire que c'est tout ce qui compte. Il suffit de voir, par exemple, quand il a voulu compatir pour les ouvrières des abattoirs de Gad. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi ? Quand il parle comme ça des salariés de cette entreprise, il est persuadé de dire une vérité, d'être moins hypocrite que les autres. Sauf qu'en fait, à aucun moment, il n'a cherché à savoir ce qu'en pensent les concernés. Et les concernés, elles en ont gros. Entendu, ministre de l'économie ? Oui, qui ce matin a dit que les femmes, de la plupart des femmes de la société GAD étaient des illettrés. Alors nous, on vient vous prouver qu'on n'est pas illettrés, qu'on a un permis, et qu'il y a aussi des administratifs. Et que toutes les femmes ici savent lire et écrire. On se sent bafoué, on se sent diminué. Pareil avec les syndicalistes. Forcément, ils n'aiment pas ce type qui est anti-grève, qui méprise leur combat et ne les comprend pas. Même quand il en va de vie humaine. Parce que vous êtes dans votre bulle, et dans votre monde. Mais arrêtez cet argument démagogue. Vous êtes dans un monde qui n'existe pas, monsieur. Qui n'existe que pour vous. Et j'étais con. Aujourd'hui, cette personne de gauche, elle protège le patronat et uniquement le patronat. Il faut dire que lui n'a jamais risqué de perdre son emploi. D'ailleurs, pour lui... La vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier. Après, tout n'est pas mauvais chez lui. La preuve, il a conscience de certains changements économiques profonds. Macron, il croit au clivage entre progressiste et conservateur. Et il n'a pas tort. Sur ce point, il se distingue effectivement d'un Juppé, d'un Sarkozy ou même d'un Hollande. En cela qu'il a bien compris sur quoi allait reposer la nouvelle économie. Il a compris qu'à l'ère d'Internet, de la robotisation, de la transition du marché du travail vers celui des biens et des services, le salariat est voué à mourir. Pour lui, le clivage progressiste-conservateur rend le clivage gauche-droite obsolète. Mais il se trompe. Les deux se complètent, et Macron est un progressiste de droite. Un progressiste de droite, car on pourrait l'opposer à un progressisme de gauche. Celui qui pense que ce nouveau monde peut être générateur de partage des ressources, de l'économie des communs, de plus d'égalité. Celui qui croit au salaire à vie et à des solutions alternatives pour refonder la société. Celui qui prend en compte la crise écologique, la limitation des ressources de la planète. Mais ce progressisme-là, Macron le déteste. Car il remet en question son rêve d'un monde composé de millionnaires méritants. En fait, Emmanuel Macron est pour le progrès, oui, mais seulement celui qui va dans son sens. Quoi qu'il en soit, on nous présente Macron comme un rempart progressiste à Fillon, à la droite dure. Mais reconnaissons à Fillon qu'au moins, il assume ses idées, et il y va franchement, même si elles ne plaisent pas. Finalement, on a peut-être avec Macron l'exemple type de ce que notre système politique peut créer de plus aseptisé. Macron, c'est le parfait exemple du fameux apolitisme cher à notre époque. Il dit qu'il ne rentre dans aucune case, qu'il n'est pas dans le clivage gauche-droite traditionnel. Pourtant, sur l'échiquier politique, il a clairement des positions. Sa vision de la fin du salariat, il ne la voit pas en la solution du salaire à vie, par exemple,
mais en celle de plus d'entrepreneuriat. Ce qu'il oublie, c'est que même si tous les jeunes veulent devenir des youtubeurs entrepreneurs, il n'y a pas la place pour des millions de Cypriens. Il n'y en a qu'un de Cyprien. Comme pour les chauffeurs Uber ou les livreurs de plateaux repas, c'est une minorité qui arrive à s'en sortir. Par du travail, certes, mais aussi par chance, par hasard, par le fait d'être là depuis le début, parfois. Les autres sont précaires, sans sécurité et droit du travail, quand ce n'est pas carrément l'application qui ferme sans les payer. Macron, c'est donc clairement une posture. Elle est défendable et envisageable, pourquoi pas, mais le problème n'est pas là. Le problème de ces figures politiciennes qui avancent masquées, c'est qu'elles essayent de nous avoir. Elles ont l'air sympathiques, pas trop racistes ou sexistes, pour le mérite, pour aider ceux qui sont prêts à travailler dur. Elles se présentent comme des révolutions, comme celles, les seules, qui ont capté l'air du temps et dépassé les problématiques dans lesquelles s'enfonce la gauche et la droite. Alors qu'en fait, elles sont parfaitement identifiables sur l'échiquier politique pour qui creuse un peu, et qu'elles ne proposent rien de neuf. Et finalement, cette façon d'entretenir la confusion, c'est très Wall Street. C'est faire genre qu'on n'est pas politique, car on ne fait que suivre le réel. Ou tout du moins, qu'on suit ce que les banques et les actionnaires nous présentent comme le réel. Parce que la réalité, elle ne peut pas être dans les idéalismes de gauche ou de droite. La réalité, il ne peut y en avoir qu'une seule. Celle de l'économie de marché. Celle qui va dans le sens de l'histoire. Et elle a trouvé en Macron son nouveau prophète. Et il est là, partout, à passer son temps à prêcher une vision qui est déjà dominante. Une réalité que les médias présentent comme inévitable. Sinon, quoi d'autre? Pour faire peur, ils promettent les pires catastrophes à qui ne s'engage pas sur cette voie. Trump, Le Pen, voire Fillon. Le problème, c'est que finalement, malgré le matraquage, les gens ont choisi Trump, ont choisi Fillon. Juste pour montrer qu'il y avait d'autres voies, même si elles ne sont pas mieux. L'élection de Trump et de Fillon ont eu ça de bon qu'elles ont probablement mis fin à l'ère des médias qui élisent leurs candidats. Pourtant, c'est précisément ces médias et ces candidats comme Macron qui en sont en partie responsables. À entretenir cette confusion, avec un progressisme d'apparence sur les questions sociales, mais pas sur les économiques, on ne peut que faire gagner tôt ou tard les extrêmes, ceux qui assument leur position, aussi rustre et stupide qu'elle peut l'être. Parce qu'on ne peut pas toujours duper les gens, et leur faire croire qu'on est pour le progrès, alors qu'on soutient la même vision du monde que celle des puissants.